sur Rennes, c'est le siège régional de l'EFS Bretagne et c'est le site sur lequel sont préparés, qualifiés tous les produits sanguins qui sont en fait récoltés sur l'ensemble de la Bretagne. Et on est ouvert tous les jours de l'année et pour pouvoir permettre aux Rennais de pouvoir venir offrir leur sang, leur plasma ou leur plaquette. C'est pour ça que je dois appeler avant. Ça va ? Ça va. On arrive, on s'inscrit. C'est un fichier administratif, il y a un petit questionnaire à remplir. Et puis il y a une consultation avec un médecin qui, suite à une discussion entre le candidat au don et le médecin, on va pouvoir s'assurer de la possibilité qu'a le donneur à pouvoir offrir son sang pour quelqu'un d'autre. Ici, on fait entre 20 et 25 dons de sang. On fait à peu près la même chose, une vingtaine de dons de plasma et une dizaine de dons de plaquettes. Mais c'est... Alors, je vais vous remettre ça par rapport à une autre échelle. En Bretagne, on a besoin de 800 dons par jour. Donc, on en est loin si on n'avait que les sites fixes. Il y a bien sûr les collectes mobiles qui se promènent sur l'ensemble du département et qui vont là où sont les gens également. Donc on va dans les entreprises, on va dans les collèges, dans les lycées, et puis bien sûr dans les communes. C'est ce que les gens ont peut-être plus l'habitude de voir, c'est les camions qui en fait parcourent le département. Et sur chacun des départements, il y a des équipes mobiles qui réalisent des collectes. Donneuse depuis très longtemps et maintenant je donne principalement du plasma hein, qui est nécessaire apparemment pour les médicaments, les brûlés, les choses comme ça. Mais je donne mon sang aussi deux ou trois fois par an. J'ai la chance que le camion se déplace sur mon lieu de travail. Non, ça fait pas mal. En plus, je trouve qu'ici à l'EFS, les infirmières sont très douées. Quand elles piquent, on sent vraiment rien. Enfin bon, c'est mon point de vue. Non, ça fait mal, c'est une piqûre. Hein, si quelqu'un trouve une autre solution, qu'il nous le dise, mais c'est vrai que c'est une piqûre. C'est loin d'être insurmontable, c'est vraiment... Ça, c'est pas gentil. C'est pas mal, merci.